reborn. Wow. Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Pouvez-vous me dire ce qui se passe quand votre jour de mourir n'est pas encore venu? Si vous ne savez pas ce qui se passe en ce moment-là, cette vidéo va vous permettre de voir quelque chose. Écoutez, suivez-moi. Venez. Parce que j'ai vu des choses que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. J'ai vraiment vu beaucoup de choses. Mais commençons par ça. Vous voyez le camp? Regardez bien. Ici, on voit un jeune homme arrêté. Jeune homme arrêté, sans doute, l'attend un véhicule, mais le véhicule ne vient pas. Tellement découragé, même il s'est mis à faire des choses qui ressemblent à ça. Regardez bien, très bien cette vidéo filmée par une caméra de surveillance. Regardez bien. Il était là, tellement même énervé, mais il s'est mis à taper le sol. Il dit, mais ah, qu'est-ce qu'on va pas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi le véhicule ne veut pas? Il s'est mis à bouger un moment. Il dit, bon, peut-être que quand je vais m'analyser, ça va régler le problème. Et regardez ce qui s'est passé dès qu'il a quitté l'endroit. Il va faire juste quelques pas. Regardez. Et puis, là où il était arrêté là, c'est là même un véhicule est venu faire un accident. Vous voyez ça? Regardez encore très bien. Voilà. Vous avez vu ça? Il était arrêté à un endroit, sans doute en train d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Et cette chose qu'il attendait n'arrivait pas. Au bon jour, il a commencé à s'énerver. Maintenant, voici qu'il se déplace juste un peu et un véhicule vient avoir un accident là. Juste à l'endroit là même où il est arrêté, il y a juste quelques secondes. Vous avez vu ça? Souvent, il y a des situations qui arrivent aux gens et les gens se plaignent beaucoup. Les gens disent que, ah Dieu, pourquoi est-ce que ça tarde? Je t'ai demandé quelque chose, mais pourquoi est-ce que ça tarde? Vous ne savez pas quels sont les plans de Dieu. Souvent, les gens ne savent pas quels sont les plans de Dieu. Les gens se mettent à se lamenter. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est comme une femme. Elle voulait aller au boulot. Et elle avait prévu à mettre à porter un bus. Elle arrive là, le bus arrive, elle ne peut pas monter, en même temps elle reçoit un appel. Elle se dit que bon, comme le bus est déjà saturé, il y a beaucoup de monde dans le bus, elle va juste prendre son appel et monter tranquillement dans le bus quelques minutes après. Elle finit de prendre son appel, le bus part, il faut la voiture essayer de la monter. Oh, le bus, tu t'en vas? Pourquoi est-ce que tu pars? Ah, elle a regardé le numéro. Quelques temps après, tout ce qu'elle a fait la journée, elle retourne à la maison à 20h et elle, au journal télévisé, là, elle regarde, elle voit que aujourd'hui, un bus a eu un accident. Et puis le bus qui a eu un accident, mais qui est tombé dans l'eau, là, c'est le bus qu'elle est devait emprunter ce jour-là. Elle était là comme ça. Elle ne savait plus quoi dire. Elle ne savait plus quoi faire. Parce que là, elle venait d'échapper à la mort.
Oui. Vraiment, l'homme est limité. L'homme est très, 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 très limité. Comment ce cas-là peut-il ne pas savoir que dans les minutes qui suivent, un véhicule va venir percuter l'endroit où il se trouvait? Comment ça se fait? Comment c'est possible? On attend des morts, on attend des accidents chaque jour. Je me dis, mais les hommes, vous dites que vous êtes intelligent. Mais comment se fait-il que vous n'êtes pas capable de vous prévenir l'avenir, de voir l'avenir, de savoir juste là, ici, qu'il y aurait un problème comme ça? Comment? C'est là où je prie. Et je dis à Dieu, vraiment, il n'y a que toi qui peux protéger efficacement. S'il te plaît, veille sur moi. C'est pourquoi chaque jour avant de sortir, priez, dites seulement, Seigneur Jésus, dites à Dieu, dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, protège-moi. Bénis mon départ, bénis mon arrivée. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer sur la route. Même quand vous sortez, il y a certains sorciers qui sont autour de vous, qui se mettent à parler. Ils parlent. Est-ce que vous savez ce qu'ils disent? Ils sont en train de dire des choses du genre, ta mère, elle est en train de partir là, qu'elle reste là-bas en même temps. Faut pas avoir à revenir. Moi-même, j'ai entendu ça. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, hein, sérieux? Oui. Mais j'ai dit, ouais. C'est-à-dire, en plus de toutes ces choses bizarres qui peuvent vous arriver, il y a aussi des sorciers qui sont derrière vous, qui prient pour que vous puissiez avoir des accidents. Vous n'imaginez pas combien de fois Dieu nous protège. Et vous n'imaginez pas quel combat Dieu fait pour nous quand on s'endort. C'est pourquoi il faut vraiment remercier Dieu pour tout. Dites avec moi, merci Seigneur pour tout, même pour les choses que je ne vois pas. Merci, merci et merci. Souvent on dit, ah, telle personne est morte, c'est son jour qui est arrivé. Il y a des gens qui meurent sur les jours, je vous le dis. Je vous le dis. Les sorciers, leur job, c'est de faire en sorte que vous mouriez avant votre temps. Pour que, avant que votre temps arrive, là, eux, ils puissent utiliser votre esprit hein, pour se faire de l'argent dans le monde des ténèbres. De la manière vous maltraitez. Et puis, ce qui est mauvais, c'est que de la manière ils maltraitent ceux qu'ils ont tués dans la sorcellerie. Non, c'est grave. Donc, priez que Dieu vous permette de mourir en votre temps. Mais pas par cette manière de mourir, c'est un accident. Regardez encore. Vraiment, que Dieu nous épargne ça. Waouh! La vie d'aujourd'hui. Waouh, c'était extraordinaire. Merci à la fois de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse vos frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.